この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour jouer à Driver 3, enfin Drive 3R, comme vous voulez. La suite du coup des deux premiers, qui ont eu un accueil très très bon à l'époque, enfin surtout le premier. Le deuxième c'était pas mal, il y a quelques nouveautés, mais il avait souffert de quelques problèmes de framerate. Enfin, ça restait un bon jeu pour l'époque, mais c'était un petit peu moins bien accueilli. Par contre voilà, on attendait énormément de la version 3 de Driver. Et ce jeu... On va y jouer du coup ensemble, je vais le découvrir en même temps que vous. Donc ce que je dis là, ce n'est pas mon opinion, c'est ce qui a été ressenti en tout cas à l'époque. C'est tout simplement que c'est le début de la fin en fait de la série des Drivers, puisque ce jeu va avoir un accueil très très mitigé. Tout simplement parce que malheureusement, qu'est-ce qui se passe la même année, enfin en tout cas dans la même période, on a GTA 3 qui sort quoi. Et GTA 3, vu le carton de Grand Theft Auto 3, on va malheureusement le comparer avec ce jeu-là. Ce qu'il ne faut sûrement pas faire, puisque là-bas c'est un jeu qui est un petit peu axé vraiment sur la conduite. Ce n'est pas un jeu où, normalement, bon, il y a certes le mode freeride, on peut s'amuser, etc. On pouvait déjà changer de voiture dans le Driver 2, mais... On doit quand même pas le comparer à GTA, puisque ce n'est pas la même façon de procéder, ce n'est même pas le type de jeu voulu, puisque c'est un jeu de conduite à la base, Driver 3, avec des réactions qui sont censées être peu ou prou réalistes, certes, mais voilà, très ancré sur la conduite, un peu moins sur le gunfight, un peu moins sur le bon, l'histoire après elle est comme elle est. Voilà, donc on va le comparer malheureusement, parce qu'on va être obligé de le comparer à GTA 3, mais... ce n'est pas vraiment la cible de l'époque. On a le mode démo. On va passer le mode. On va commencer directement par le mode. Enfin, une petite conduite libre. Histoire de voilà, découvrir un petit peu le jeu. Je le découvre en même temps que vous. Donc, je vais essayer de voir ce que ça donne en direct, évidemment. Je n'ai jamais joué à ce jeu, concrètement. Alors, on a Miami, on a Nice. Et pour le moment, ça a l'air d'être tout. Alors c'est sympa d'avoir Nice parce que dans les autres drivers on avait que des villes américaines. Là on va pouvoir tenter une ville un petit peu différente. Et je vous propose d'ailleurs de commencer par Nice, pourquoi pas. On peut changer le jour de la... le moment de la... départ, d'accord, crépuscule, jour, nuit. Alors là ça sous-entend qu'il n'y a pas de cycle, hein, pour le jour et la nuit. On va prendre le jour hein, pour commencer. On peut changer la météo, couvert, pluie, on peut mettre la pluie. Ah c'est peut-être pas mal. On va commencer normal, on va mettre les trucs par défaut. On a les flics, on va les enlever, hein. Pour le moment on va découvrir un petit peu. On a un droit à une petite voiture, on peut choisir... Ah, on peut même prendre des bateaux. Et on peut même prendre des motos. Alors là, les motos... Oh, même un scooter, regardez. Alors attendez, je vais prendre le scooter. Sûr de commencer. Voilà, et puis on va découvrir au fur et à mesure ce qu'on a. Donc voilà, donc on part déjà sur cet état de fait. C'est le jeu qui a eu une critique très très basse. Pas le pire jeu des... pas les pires des drivers, loin de là, mais... très très moyen. Alors c'est parti. Donc on est dans Nice, en tout cas on est à l'extérieur de Nice j'ai l'impression, on n'est pas encore au centre-ville. Alors si je fais start, on a la carte. Voilà, donc on peut voir où je suis. Ah je peux déplacer la carte, ah je peux zoomer. Déjà avec le joystick je peux zoomer. Je peux venir en dézoom aussi avec le joystick. Si je vais vers l'avant, vers l'arrière ça dézoome. Si je bouge avec l'autre joystick, le joystick gauche, je peux me déplacer sur la carte.
Et d'ailleurs, ici, on voit que la carte est quand même assez plutôt grand, mine de rien. Regardez, en allemand, Boron, Rade de Villefranche-sur-Mer. Alors, évidemment, ceux qui connaissent Nice, qui sont déjà allés, ou qui habitent à Nice, vont pouvoir comparer. Bon, évidemment, je pense que tout n'a pas été détaillé forcément. On va y aller. On va aller à Nice en scooter. Écoutez, on va s'amuser un petit peu. Après, évidemment, on fera le mode avec l'émission. Alors, on a donc. Bon, on va voir au niveau des vues. Donc, si je fais Select, je peux changer. J'ai que deux vues, hein. Vue ras du sol et vue extérieure. Alors là, je sais pas ce que c'est, regardez-moi ça. On est dans un vieux village. Alors, le maniement est. Ouais, plutôt correct, ça ressemble du Driver 2. Enfin, je vois pas trop de différence. Alors là, on est en moto en plus, donc pour comparer, c'est plus compliqué. Regardez, on est à l'intérieur d'un petit village. C'est typiquement français, évidemment. Village du Sud. Par contre, est-ce que je peux rentrer dans le village? Tiens, ça pourrait être intéressant. Alors, par exemple, on voit qu'on a des gens sur le côté. Est-ce qu'on peut les écraser, les gens? Est-ce que je peux te rentrer dedans? Alors, effectivement, avec le scooter, ça va être compliqué. Alors, je pense que non. Je pense qu'on pourra pas leur rentrer dedans. Le côté. Alors, on remarque quand même que c'est la France, mais c'est pas la France, évidemment, actuelle, c'est la France d'il y a quelques années. Regardez, hop là, je peux faire un wheeling, ça c'est cool. Si je freine vers l'avant, la répartition du poids est faite. Alors, ce qui est déjà intéressant, c'est que la physique est quand même bien respectée, je trouve. Après, ça restera toujours mon point de vue. Mais elle est quand même assez cohérente, assez logique au niveau de la conduite en tout cas. Et d'ailleurs, heureusement, puisque c'est quand même là-dessus que le jeu est basé en grande partie. Regardez, je peux passer par là. Je me fie un petit peu à la carte hein, pour savoir ce qu'on peut faire et tout. Allez, on a un petit parc ici. On a un parc, on a même un truc pour faire un saut. On va essayer de le faire d'ailleurs, je pense que ça va être compliqué, mais bon. Alors si j'appuie sur R1, je fais un petit jeu klaxonne. Si j'appuie sur L2, R2, je change de caméra. Alors ça c'est vraiment. Bah c'est déjà le cas à l'époque. Et ceci comme GTA dans l'absolu. Alors on va essayer de prendre le petit saut. Et je me suis totalement loupé. Alors là on est à pattes, on va voir un petit peu le maniement. Alors, on avance du coup que je vais ici. Ah, regarde, par contre, on strafe. Ok. Donc, en fait, il n'y a pas de tournée autour de lui. Il va vraiment faire que strafer, c'est-à-dire faire des pas sur les côtés quand on fait droite ou gauche. Si je veux tourner en même temps, je change je prends l'autre joystick et je tourne en même temps. Donc, c'est différent, c'est particulier, mais c'est cohérent. Alors, par contre, voilà, j'ai sorti mon flingue, du coup, ils ont commencé à prendre peur dans le village. Mais si je veux, je peux tirer. Alors, je tire avec R, hein, apparemment. Je l'ai buté. Elle était pas à poil quand même. Ah non, non, elle était en maillot de bain, elle était à Nice, tout va bien. Donc voilà, je peux tirer avec R1. Alors je pense qu'on peut-être on peut viser. Je peux me baisser aussi. Je peux faire une roulade vers l'avant. Voilà. Roulade vers l'arrière peut-être? Non, on peut pas. Sur le côté. Non, on va pas faire de roulade sur le côté par contre, ça c'est dommage. Alors le maniement. Bon, à vrai dire, je trouve plutôt logique, plutôt normal. Par contre, ouais, ça fait un petit peu balai dans le cul des fois la façon de se déplacer. Alors je vais enlever mon flingue. Alors c'est triangle hein, pour mettre et enlever le flingue. Et du coup je me fais avoir. Et R1 aussi pour le sortir, tiens. Par contre pour prendre un véhicule, faut rester enfoncé sur la gâchette L1. Et moi qui ai vraiment plus passé de temps sur un GTA qu'un driver, c'est un peu difficile à appréhender dès le début parce que ça change complètement. En revanche le triangle pour sortir l'arme, ça fait penser à du Tomb Raider. Donc voilà, on est autour du village. Bon, évidemment, on va faire un petit freeride histoire de s'amuser un petit peu. On va essayer de prendre une voiture, tiens. On est en scooter, c'est cool. Mais on va essayer de s'arrêter là. Non. Excusez-moi, monsieur. Vous pouvez vous arrêter? C'est feu vert. Je sais que c'est feu vert. Oui, je sais. Vous embêtez pas. On dirait qu'il y a une fête panda là. Par contre, je sais pas si les voitures sont des voitures, des vraies voitures. Alors, j'ai pas l'impression. En tout cas, on a les plaques d'immatriculation. BS09. Tiens, on va voir si les plaques sont toutes les mêmes. Les plaques sont toutes les mêmes. RS06. Alors en plus je crois que c'est vraiment les départements 06, c'est pas les Alpes-Maritimes. Alors on est parti, je vais prendre le feu rouge. Ouais non c'est bon, c'est bon. Passer par là. Alors le maniement du coup change. Voilà évidemment une voiture beaucoup plus patate, beaucoup plus lourde. Et on va sortir de ce village. Alors je pensais que je pourrais rentrer un peu plus dans le village. Bon, on va pas le faire, on va essayer de pas trop perdre de temps en plus dans la vidéo. Bon, c'est une vidéo qui va durer, je pense, une bonne heure, hein, parce que franchement, c'est un jeu qui, de toute façon, mérite qu'on s'y attarde. On va voir la carte quand même, on va voir la carte où on peut aller. Il faudrait que j'arrive à prendre l'autoroute.
va essayer de faire ça. Mais est-ce que je peux la prendre comme ça, l'autoroute, la bretelle? Ouais, on peut y aller directement. Okay. On va passer par là. Alors, le maniement, je peux utiliser la gâchette, hein, gauche-droite, voilà. Enfin, le joystick ou la croix. Donc, pas trop de différence. Si je fais haut-bas, il se passe rien. Par contre, est-ce que j'ai une vue intérieure? Non, j'ai pas de vue intérieure. C'est un petit peu dommage. Parce que franchement, je trouve le jeu. Alors, le jeu a très. Très. Ouais, j'ai l'air très mal vieilli parce qu'il est très pixelisé. Mais plutôt bien vieilli dans l'ensemble au niveau des jeux de lumière. Franchement, c'est plutôt joli. Les voitures sont bien faites. C'est assez poli. Il y a pas mal de textures. C'est. Beaucoup de polygones aussi sur les modèles 3D. Et on voit l'intérieur, hein, de la voiture. Alors, on verra peut-être pas, mais. Bon, par contre, on voit pas tourner le volant. Enfin, j'ai pas l'impression. Si je fais R2, est-ce qu'il tourne au volant? Si, il tourne au volant, regardez. Hop. Ok. Donc on va, voilà, on va passer par l'autoroute et on va essayer d'aller au centre-ville, à la baie des Anges, pourquoi pas. Non, pas la baie des Anges, le quai des Anglais, comment ça s'appelle déjà? Je suis vraiment trop nul, hein, je connais pas Nice. On va essayer d'aller vers là, à Saint-Augustine, d'accord. Du coup, on va pouvoir calculer un petit peu la taille de la map, sachant que là on est à Nice, on a Miami apparemment, et peut-être qu'on aura d'autres villes. Peut-être San Francisco, je sais pas. Alors là, je suis au taquet, hein. Je peux pas aller plus vite. Je peux pas aller plus vite que ça. Et là, par exemple, la ligne rouge, alors je pense que c'est peut-être une ligne de train. On va essayer d'y aller, bon, on va aller ici. Alors, toujours ce bruit typique au freinage des drivers, hein, quand on dérape. Ah, par contre, j'ai quand même, je pense, aussi à faire un 360. Alors, est-ce que je peux aller sur la ligne de train? J'ai l'impression. Je peux klaxonner, ok. Je sais pas si on peut la rejoindre. Bon, on va quand même avancer, on va essayer d'aller vers le centre-ville. On a des camions. Alors attendez, est-ce que je peux prendre le camion, tiens. On va voir si on peut tout prendre. Voilà, on va passer par ici. Bonjour. Ah bah je prends le. Ok. Alors effectivement, la scène fait vraiment passer du GTA à la manière dont on prend les voitures, mais bon, en même temps, j'ai pas d'autre solution que de prendre les voitures de cette manière, hein, quand tu fais du carjacking, bon. Pas trop de solutions. Alors attendez, on va essayer d'aller par là. Alors ouais, par contre, effectivement, c'est beaucoup plus lourd. Est-ce que je peux passer sous le pont? Oui, ça passe. Alors la critique a été beaucoup faite sur ce jeu au niveau de l'IA. Donc on verra un petit peu après si c'est vraiment le cas. Voilà, finalement, je suis allé là pour rien. On va aller vers la mer, attendez. Allez hop, on y va. On va aussi voir le modèle de gestion des collisions. Qui apparemment est plutôt bien fait. En tout cas, c'est ce que j'ai pu voir. Regardez, oh, on est près de la mer. Ah bah tiens, pas hors de collision. Vous avez vu, notre camion a rien pris. On va s'arrêter. Du coup, on va voir un petit peu la voiture, ce qu'elle a pris comme dégâts. Parce qu'à mon avis, il a dû prendre cher lui avec sa. Alors on dirait une Peugeot 504, un petit peu. Ça fait penser à ça. Ah, voilà, il a tapé le bon côté. C'est assez réaliste. Il est parti de la voiture. Bah du coup, c'est parfait. Enfin, pour récupérer une nouvelle voiture. Enfin, une autre voiture. C'est par là. Yep, alors là, il est dans la mer. On est dans la mer, on est dans le sable. L'eau qui est plutôt, ma foi, plutôt bien faite. Alors évidemment, je jouais ces graphismes par défaut. Hein. Je n'ai pas amélioré les graphismes. Enfin, pas pour faire plaisir ou pas pour faire plaisir, c'est juste pour rester dans la logique. Oh là là! Alors là, par contre, c'était pas logique ce qui s'est passé. J'ai tapé l'avant et c'est l'arrière qui a pris. J'ai pas compris. Bon, un peu dommage. On va changer de voiture, je vais essayer de faire le petit jump là, histoire de voir ce que ça donne. On va prendre une petite voiture, tiens. Oh, on a une sorte de 4L, regardez. Ça ressemble à une 4L, ça, on est d'accord. Ouais, ils ont vraiment pris comme une 4L. Ah, le stéréotype français, hein, 4L, 2 chevaux. Ça se trouve, il y a des 2 chevaux dans le jeu. Ça m'étonnerait pas en tout cas. Oh, la 4L. Alors, par contre, ce que je trouve vraiment très appréciable dans ce jeu, en tout cas, c'est que chaque voiture a une maniabilité différente, sans le ressenti du poids. C'est quand même vraiment bien fait. Et j'ai envie de dire, si GTA cumulait vraiment ce ressenti dans ses... au niveau des voitures, alors là je fais la même connerie, j'ai l'impression, ça serait vraiment super bien. Parce que GTA, ce qui lui manque un petit peu, c'est ce côté. Alors c'était déjà un peu plus réaliste dans le GTA 4. Ah, mais ça passe vraiment pas quoi! Donc en fait, il y a un bug de collision, je ne peux même pas faire le saut. Ok, parce qu'on est d'accord, j'ai rien touché. Et regardez, j'ai pété ma roue. Alors ça, par contre, ça arrive pas dans le GTA, justement. Eh, franchement, regardez quand même l'attention aux détails. On a le moteur, on a tout, enfin c'est quand même... même le... Est-ce que je peux récupérer le pneu pour le recoller? Non, je pense pas. On a le capot. Question des collisions avec le capot, où est-ce qu'on l'a? Non. Alors je peux sauter aussi, avec la croix. Et là, effectivement, regardez, il y a un bug de collision.
Ce qui fait qu'on peut même pas s'amuser. Ah bah si, peut-être de l'autre côté. On peut s'amuser à faire un saut. On pourrait le faire, ouais, effectivement, de l'autre côté. Parce que je vais faire écraser. Ouais, c'est bon, il s'est arrêté pile à temps. Excusez-moi, monsieur, je vais prendre un taxi. Mais comment dire, je vais prendre d'une façon un peu différente. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez juste rentrer chez vous. Voilà, merci. Je vais prendre la voiture. Donc là, on est à la baie des anges, voilà, c'est ça que je cherchais comme nom. On va avancer un petit peu. On a quoi? Mais on a 15 minutes. Voilà, on va montrer un petit peu Nice et après on fera le mode petit joueur. Il y a des modes de jeu aussi qu'on va tester avant. Alors, il y a bon, il y a un peu de clipping léger, on le voit, mais franchement ça va, c'est assez smooth. Par contre, voilà, ça manque de monde. Il n'y a pas beaucoup de gens sur la route, enfin, sur la route, sur le trottoir. Et pas de vélo aussi. Bon, on va pas. Après, je pense que ça va être un peu compliqué à programmer. On va rentrer un peu dans le cœur de la ville. Regardez, on est où sur la carte? On est ici. Mais regardez, on a quand même fait pas mal de kilomètres, hein, et finalement il nous reste tout ça à voir. Il y a quand même pas mal de choses à faire. Oh, on a une belle voiture de sport. On dirait une Jaguar XJ. Ouh, là c'est pareil, on a une belle. C'est une Countach aussi. Alors écoutez, on va la prendre. Oh là là, alors attendez, ça c'est un bug. Ça c'est un gros bug par contre, hein. Oh, le bug de collision. Allez, je suis désolé, je vais récupérer mon. Boucherie française, France. Alors les textures sont correctes pour la PS2, pas plus, pas moins, elles sont plutôt bien faites. Par contre, je suis désolé, je suis obligé de prendre ce genre de voiture. Hein. Et comme par hasard, c'était une femme avec une jolie costume. Est-ce que je peux l'écraser? Non, je crois qu'on peut. Oh! Elle s'est pris le poteau? Mais c'est génial! C'est génial, mais donner 20 sur 20 à ce jeu, j'en supplie quoi! Ah, c'était pas mal, c'était pas mal. Donc là, je disais, je suis dans les petites rues. Alors, un petit peu la gestion des dégâts, ok, des collisions. Bon, toujours. Ça, c'était déjà présent dans le 2, dans le 1. C'est voilà, c'est plutôt bien fait. On a quand même voilà, tous les décors qui se. Par contre, je pense qu'on peut toujours pas écraser les gens. En tout cas, ouais, je pense que c'est mort. Il va toujours réussir à esquiver de n'importe quelle manière. On peut pas écraser les gens. Par contre, on peut les tuer avec les flingues. Bon, pourquoi pas. On va descendre. Apparemment, il y a un truc souterrain ici. On peut aller par là. Ok, donc là on est dans le tunnel. Et les plaques changent, regardez, Heroic 06, on n'a pas la même plaque. Alors peut-être que c'est une plaque qui est similaire à chaque modèle de voiture. Mais en tout cas pas entre chaque voiture. Chaque modèle différent. On va passer par là. En tout cas, voilà. Donc on va pas non plus faire 3 heures de freeride. Franchement, le jeu est joli. Le jeu est beau. Pour 2001, 2002, c'est vraiment très très. Ah, Acropolis, tiens. C'est très joli. Bon, ça manque un petit peu de vie. Un petit peu. Voilà. Je trouve le jeu en tout cas aussi beau qu'un The Getaway. Même voire plus beau. Alors que The Getaway à l'époque, c'était le fer de lance du jeu. C'était un jeu ultra réaliste, très bien fait. Voilà, donc par contre on a eu quelques bugs, hein, vous avez vu. On va. Alors je vais sur la bretelle, je sais pas trop ce que c'est. On va voir le point rouge là-bas. Ça m'étonne un petit peu, je sais pas ce que c'est. Ah par contre peut-être que je pourrais pas le prendre. Ouais, il va falloir que je sorte de la route. Par contre pour passer sur le côté ça va être compliqué. Ouais. Par contre je. Bon, tout ce qui est quand même voiture, conduite, c'est intéressant. Ça reste vrament intéressant, même pour l'époque. On a un panier à salade, j'ai l'impression, c'est quoi ça? Regardez-moi ça. On va le prendre. Je suis désolé, c'est vraiment en mode découverte. Je veux récupérer ce. Oh! Ouh, comme j'ai pris cher! Oh, je me suis fait percuter quoi, mais. On va prendre le panier à salade. Et on va aller jusqu'au. On va aller jusqu'au point rouge. Faut que j'aille là. Alors j'ai pas mis les flics pour le freeride, mais on pourra le mettre pour l'émission. Je précise quand même toujours qu'on est sur émulateur. Du coup, c'est possible qu'il y ait des bugs. Donc j'anticipe. Hein. Si j'anticipe ce qui pourrait se passer. Qu'est-ce qu'on a là par exemple? Là je vois une croix rouge. Alors je me dis on va y aller. Par contre je suis quasiment mort. Je sais pas si je peux récupérer de la vie. Hein. Par contre, de toute façon, quand on a plus de vie, on a plus de vie. Non, c'est tout droit. On va s'arrêter là, sortir de la voiture. On va voir ce que c'est ce point rouge.
Ah, on peut rentrer dans les bâtiments, regardez. C'est pas mal, c'est pas mal. Ok, alors attendez, on va y aller. Bon, je sais pas si on s'il y a un truc à faire, hein, on va découvrir en même temps. Oh, d'accord, donc on a la cuisine. Qu'est-ce que c'est? Ah, ben voilà, on a récupéré de la santé. Ça c'est bien, voilà, donc on peut récupérer de la santé. Alors par contre, c'est. Ouais, il faut aller un peu loin. Alors, est-ce que je peux ouvrir? J'ai pas vu de touche action. Ah, si, si, avec le rond, on a touche action. Ok. Donc là, on a une baraque. On peut voir de l'extérieur en plus la maison. C'est pas mal, hein, vraiment, j'insiste. Pour le moment, de tout ce que j'ai vu, en tout cas, ce que j'ai vu, je trouve ça quand même plutôt bien fait. Plutôt bien fait, c'est très honorable. Bon, le maniement, effectivement, c'est mieux. Ouais, c'est bon, pour rentrer, j'ai même la chambre. Je sens que c'est la villa de Tomb Raider, limite. Ouais, je peux passer par là. Bon. On va voir un petit peu la suite. Écoutez, on va changer de mode, on va faire start et on va passer du coup. Alors on a Streetcam, mode réalisateur, donc c'est toujours le mode qui nous permet de voir un peu le replay avec des genres de caméras différents. Je vais dans les options quand même, ce qu'on a. On a les vibrations, les effets sonores, la musique, ok. Donc on va laisser comme ça. Voilà la rediffusion, donc si je vois la rediffusion. Je sais pas si la rediffusion on va aller depuis tout début. Ah ouais, quand même! Ah si, quand même. Regardez, ça fait quand même 21 minutes et on a une rediffusion de 21 minutes qui nous attend. Bon, avec des petits effets de blur un petit peu rajoutés dans la diffusion. Avec mon petit scooter sympatoche. voilà, bon, c'est... Ouais, en plus il y a des baisses de framerate, enfin c'est pas évident là, je crois que... On va sortir de là. Quitter la partie. Alors les baisses de framerate, c'est l'émulation. Je préfère vous prévenir, voilà. Alors conduite libre, jeu de conduite. On va faire un jeu de conduite. On va changer d'huile, on va se mettre à Nice. Alors je sais pas ce que c'est. Hein. On a fond la caisse, chapeau de roue, trailblazer. Ok, on a mode survie. Bon, mode survie, on le connaît. Mais on va quand même le faire. Bon, à fond la caisse, on va voir ce que c'est. Je sais pas, pas du tout hein, ce que c'est à fond la caisse. Il y a 2-3 modes qui me parlent à peu près. Est-ce que là par exemple c'est une course? Est-ce que c'est un. Je sais pas. On va le découvrir. Ah, apparemment il faut que je. Bon, il faut que je l'arrête en fait à fond la caisse. Ouah! Alors effectivement, elle va vite la voiture, mais alors elle est compliquée. Ah, par contre, j'ai 1 minute 41. Oh là là là, mon Dieu, c'est un drame. J'ai 1 minute 41 pour le. J'ai le capot qui me gêne. Donc là, on va ressortir. Je peux pas aller plus vite. Bon, au moins, il passe par là. Oh, aïe, aïe. Alors de souvenir, déjà dans le 1 ou dans le 2, c'était très compliqué. Je l'ai perdu en plus, ouais. J'allais dire c'était très compliqué. On va faire recommencer histoire de. C'est très compliqué de. Ce genre de mode. Franchement, je galérais. On va couper. Hein. Voilà, on va couper, là, on est obligé. Et en plus. Oh là là, en plus la voiture est. La voiture est très très dure à conduire. Je vais recommencer à chaque fois. Alors, est-ce qu'il va faire toujours la même chose? Par contre, ça serait intéressant de le savoir ça. Parce que si toujours la même chose, au bout d'un moment, tu connais le pas sentier. Ouais, il va passer par là. Ouais, elle chasse énormément derrière. Oh là là, mon dieu. Regardez-moi ça. Je l'ai perdu encore. Oh la vache. Mais décidément. Alors, je sais que je peux lui tirer dessus, hein, mais. Oh là là, non, mais c'est pas possible. C'est pas possible, mon dieu. Alors, par exemple, ce qui était intéressant dans les GTA, enfin en tout cas. C'est intéressant dans les GTA, j'essaie de me concentrer quand même un petit peu aussi. C'est que dans les GTA, on pouvait plus ou moins tout casser. On pouvait pas rentrer dans les arbres, certes, mais on pouvait un peu tout casser. Mais là, par exemple, il y a des poteaux, je sais que si je rentre dedans, ben, je vais me faire totalement massacrer. Ah là, on l'a plaqué au sol. Il est où? Oh, il est reparti. Tellement instantanément.
Par contre, j'ai l'impression qu'il a. Ouais, il a une roue qui est peut-être pétée. Ah merde, ça c'était pas. Alors il est où? Ah, il a tourné. Non mais je vais passer par là. Hein. Ah, je vais le perdre. Ah, je l'ai perdu. C'est mort. C'est mort. Et il sait pas où il veut aller. Vous avez vu, il s'est arrêté. Hein. Et il repart au moment où je vais en partir. Dès que le jeu fait exprès, hein, par contre, de me laisser une petite chance. Par contre, là, il est super loin. Il va aller sur la voie de côté. Je pense que je l'ai perdu dans tous les cas. Voilà. Bon, enfin, j'ai échoué. Vous avez vu, en tirant dessus, il a cassé un petit peu, je pense, le côté gauche. Bon, ce qui fait qu'on aura peut-être pu le rattraper après, mais bon. Donc, vous voyez, c'est quand même pas évident. Hein. C'est le premier point, première tentative. On a vraiment galéré. Enfin, j'ai galéré complètement. En plus, je peux le faire aussi à Nice. On va acheter Miami pour l'instant. Alors, chapeau de roue. C'est parti. Tester ce mode. Alors, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Hein. Cette fois-ci, on est suivi par les flics. Il va falloir du coup, je pense, bah, les semer ou réussir à tenir, je sais pas. Normalement, survie, c'est ce mode, hein, on doit tenir. Sème les poursuivants. Bah, on va les semer, hein. On va essayer en tout cas. Ben voilà. Est-ce que je vais réussir à les semer? Ah ouais, ils sont forts les flics là, ils nous suivent vraiment partout. Par contre, les flics sont beaucoup plus forts que dans les GTA, ça c'est vraiment une certitude. Regardez, ils ont complètement suivi ce qu'on a fait, hein, Il est vraiment accroché à nous, quoi. Et là, j'arrive pas du tout à le semer. Il est vraiment collé. Bah, c'est par là. Oh là là, c'est le mur. Quel drame! J'ai l'impression que lui il casse jamais sa voiture par contre. Ah, j'ai pété au bout de ma. Ouais, du côté là, c'est. Bon, on a repris un peu d'avance, mais il va revenir. Hein. C'est certain, hein. Il va recoller. Regardez, voilà comment ils sont plus rapides. Par contre, il va quand même falloir m'expliquer à quel moment je suis censé pouvoir les. À quel moment je suis censé éviter ça? Oui, la voiture de flic derrière, elle est toute rouge. Je sais pas si c'est le niveau de ma voiture ou le seul du flic, hein, par contre. Ah, mais là, il reste totalement accroché. Hein. Oh mon dieu, quoi! Mais c'est impressionnant, hein. Regardez, je peux faire ce que je veux. Et je pense qu'il se casse pas en fait, lui. Faut juste que j'arrive à le semer. Ouais, j'aurais presque pu l'esquiver, malheureusement. Ah, quoique. Ah, mais il va aller plus vite que moi. Il va aller plus vite que moi, j'en suis sûr. Ouais, mais j'ai pété la voiture. Ouais, je l'ai complètement pété. Et il va m'achever. Voilà, j'ai ruiné mon véhicule. Regardez-moi ce beau. ce beau finish. Bon, vous avez compris, de toute façon. Il suffit juste de se vérifier. Enfin, juste. Je n'ai pas réussi. Mais bon. En tout cas, c'est intéressant de voir que les jeux de conduite sont toujours aussi difficiles parce que c'est un vrai challenge, franchement. Et bah, ça fait toujours plaisir. On va mettre Nice, tiens, pour une fois. On va mettre du coup Trailblazer. Alors, je sais pas ce que c'est le Trailblazer. On dirait un passage où il faut. Péter des cônes. Et j'ai l'impression que ça existait déjà dans le 2. Ça, par contre, ça me parle. Ouais, il fallait pas y toucher, je sais plus.
Touche les cônes, bon là il fallait toucher, ok. Ok, oh la vache. C'est impressionnant comme je galère hein, à chaque fois, c'est violent. Je prends mon temps, de toute façon on va voir tous les cônes. Je sais qu'il faut que je sur ça et plus vite que ça, hein, mais bon. Vu que ce jeu est ultra piégeux. Déjà! Pourtant j'ai gagné une seconde à chaque fois. Bon. Ok, bon, on passe à la suite. Voilà, on va tester un autre jeu. On va faire du coup le mode survie. On va pas être contrôle, ça je connais. Slalom, on va le faire après. Slalom, c'est entre les plots. Bon, vous le voyez, hein, c'est assez compréhensible. On a une petite dégâts potable d'ailleurs, ça fait penser à ça. Fond la caisse, on l'a vu. On va essayer le mode survie. Qui à mon avis va être le. va tellement être bourrin. Le but ici c'est de tenir le plus longtemps possible évidemment. Après le souvenir c'est quasiment impossible, c'est super dur quoi. Poursuite en cours. Allez, ça commence super bien. Je vais me faire mais rouler dessus. Oh regardez-moi ça, la voiture elle a pris cher en l'espace de 4 secondes. J'ai même le. Et je me fais tirer dessus en plus. Attention, on passe au niveau 2 de difficulté là. Ah, bon au moins elle s'est fait tourner ça là, c'est parfait. Ah, je me fais tirer dessus, mais quand même mal propre quoi. Et j'ai ruiné mon véhicule en prenant le poteau. Bon, ça a duré combien? 38 secondes. Regardez derrière l'IA. Bon, on va faire juste une tentative à nouveau. Alors là, j'ai l'impression par contre que l'IA est un petit peu moins forte. Quand je dis moins forte, c'est elle est un petit peu moins. Alors elle va plus rapide, elle va plus vite. Ça c'est clair. Alors là par contre j'ai l'impression que je me suis bloqué complètement. Ah il y a un passage par là. Oh si j'arrive à les semer. Ouais. Mais ouais. Mais ouais mais les gens mais on a réussi quoi. Ah merde. Ah quel dommage. J'allais dire on a réussi à les semer mais ça aurait été génial. Attendez on va voir ce qu'ils font. Est-ce qu'on va faire bugger l'IA? Non mais j'ai réussi à les semer quand même, on est d'accord, on a réussi à les semer une fois. Donc là je prends mon temps, hein. De toute façon pour le moment, tant qu'ils sont pas allés me chercher, je peux rester 2 heures. En vrai quand même, regardez, quand je change de vue... Allez, il est bloqué complètement. Bah ils essayent, hein. Bah, je pense que je peux rester longtemps. Enfin après, ils vont peut-être se débloquer. Est-ce que je peux sortir du véhicule? Je crois pas. Bon, en tout cas, on aura tenu au moins 2 minutes. Voilà. Alors, je sais pas s'il y a des choses à débloquer avec ces modes de jeu, si on réussit ou pas à les avoir. Mais là, concrètement... Je pourrais rester 2 heures, là. Mais là, il me touche pas, en fait. Ah si, il me touche quand même. Oh l'enfoiré. Bon, bah je suis en état d'arrêt... Oh ouf. Ah, il m'a complètement démoli là. Oh, avec le... je crois qu'il a fait le fusil à pompe. Bon, c'est pas grave. Bon, en tout cas, on a... On va dire qu'on a un petit peu le... essayé de squeezer la... l'IA. C'était compliqué. Bah écoutez, on va faire un mode undercover. Donc c'est parti. Et on va découvrir un petit peu ce mode histoire.
odası itti. Karnından kurşun yarası. Muhtemelen dalak parçalanmış. Bana 4 ünite 0 negatif bulun. Kanama var. Şiddetli abdominal travma. Hemen hortumu takın. Tansiyon 50. Hızla düşüyor. Nabız atmıyor. Hemen elektroşok cihazını verin. Hadi. Herkes açılsın. Çekilin. Ok, donc c'est parti. Introduction, ma foi, fort correcte. Je remarque un détail, quand même, un petit détail d'anachronisme. Le Nokia que l'on voit sur le côté. Alors, pour récupérer de la vie, donc c'est vraiment notre piole, ça c'est pas mal. Donc, on a compris que finalement. Comment dire. Les zones rouges, en fait, c'est plus ou moins des zones un peu safe où on peut aller chez nous. Là, on va ouvrir la porte. Et du coup je dois aller au QG, alors je pense que je dois avoir une voiture quand même dans mon appartement. En tout cas on a une belle vue, hein, avec un bateau au fond. Ouais, donc j'ai une petite acronyme avec le Nokia parce que, regardez les voitures, franchement c'est une voiture qu'on a dans les années 80-90, en moyenne, hein. On va dire on va s'arrêter à 95-96. Et le Nokia que vous voyez sur la photo, bon, c'est un Nokia qu'on voyait plutôt dans les années 99-2000-2001, donc c'est un peu paradoxal. Bon, on va prendre une voiture pour aller au QG. Prendre ça là, je sais que ce n'est pas ma voiture, mais bon. On en est. Oula, le jeu à coton bugué. Pourquoi je peux prendre ma voiture? Ah, quand même. Ok. Donc c'est parti. Alors on va suivre la petite ligne, enfin la petite flèche que l'on voit sur la carte. Et là, je pense qu'on est au crépuscule, enfin, plutôt qu'on est en début de journée. On va s'y rendre. Donc déjà QG de police, ça sous-entend quoi? Bah qu'on est policier finalement, normalement, si on travaille au QG. Bon, on va passer par... Alors oui, hein, je grille totalement les feux, etc. Je sais pas si... Alors par contre, ça je l'ai pas encore testé. Est-ce qu'il y a toujours des infractions quand on passe les feux rouges, les feux verts, etc. Et il faut savoir que dans le premier GTA, le GTA 3 d'ailleurs, il était prévu que on puisse avoir les flics, on puisse avoir des étoiles de flics par exemple allant trop vite ou en passant les feux au feu rouge comme driver. Et finalement ils l'ont pas mis en place et je pense qu'ils ont bien fait.
Et c'est un petit peu ce que je regrette dans Driver 1, 2 et peut-être celui-là. C'est que c'est réaliste, effectivement, mais c'est un peu ridicule, quoi. Enfin, c'est un petit peu trop réaliste. Et du coup, ça rend le jeu un petit peu moins fun, le fait de se dire, bon, bah, je dois rouler à 2 à l'heure, prendre tous les feux verts, les feux rouges, enfin, ça ralentit un peu le rythme de jeu, c'est dommage. Je sais pas s'ils l'ont conservé là, mais je pense que oui. Bon, c'est parti. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a mis à disposition? Ça, elle est où là? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Attendez, le problème c'est que je pensais qu'il y avait des sous-titres. Ouais, sauf qu'en fait non. Alors il y a une porte. Tire sur les truands, ne touche pas les civils. Ah ouais, d'accord, donc c'est un truc d'entraînement. Bon, ok. Alors est-ce qu'il y a un truc pour... Oh la vache. Ouais, alors par contre, le maniement. Alors j'espère qu'il n'y a pas d'autolock, il n'y a pas de. Je peux me baisser, d'accord? Je crois que là tout va bien. En rouge, c'est les civils ou en. Ah, ça, c'est les civils, ça, ok. Oula, alors le maniement, par contre, c'est pas du tout ça. Allez, j'ai réussi à me bloquer. Je vais essayer de me bloquer direct et je vais peut-être commencer, je suis déjà bloqué. Voilà. Ah bah voilà, bah écoutez, c'est magnifique. Ouais, en quoi je suis bloqué? Putain, c'est pas vrai. Recommencer. Bon, qu'est-ce qu'il m'a dit? Est-ce que je peux quand même tirer là? Qu'est-ce qui se passe si je tire dessus? Pas du tout. Donc là, je vais enlever mon arme. Il y a un truc caché en dessous. Donc là, on a les cellules, ok. Est-ce que je peux les ouvrir les cellules d'ailleurs? J'ai l'impression. Ouais, alors le maniement à pied, ça va. Enfin, dans le sens où le maniement pour se déplacer, c'est bon. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il me voulait lui? Qu'est-ce que je pouvais lui dire déjà? Est-ce que je peux te parler? Est-ce que je peux te parler? Bonjour monsieur! Excusez-moi, j'ai perdu mon portefeuille. Je sais absolument pas ce que je dois faire en fait. Je suis censé faire quoi? Attendez, on a une porte là. Tard, j'y suis allé. Bon, là, non, c'est ça, c'est la cellule, je pense. Bon, on va sortir le flingue. Ok. Oh, attention. Oh la vache! Ça c'est des gens normaux. Ah si, c'est les truands en rouge! Attendez, je comprends pas là! C'est les rouges ou les blancs les truands? Ouais, je peux tirer à côté, ça le touche quand même. Hein. Je dis ça, je dis rien. Ah, ce fail, ce miss, c'est ce que vous voulez. Enfin, je crois que j'ai tué quasiment tous les mauvais. Ouais, moins 3, j'ai fait un total de 1,24. Bon, je suis pas censé, je sais même pas si c'est censé faire que... Ah, c'est ça, c'est tout, c'était ça. Ok. Bon, bah mission suivante, c'est parti. Alors, il est possible que la deuxième mission soit buggée. Je l'ai lu à l'avance, au cas où.
Donc bon, on va découvrir ça en même temps. C'est là que ça a commencé. Ça aurait pu être la routine. On a eu un tuyau sur South Beach Bacchus. Un gros bonnet de la récup. On y est allé. S'il y a vraiment un truc que j'apprécie dans ce jeu, c'est les effets de lumière. Je trouve qu'ils sont très très bien rendus, les reflets sont bien faits. Les effets d'ombre aussi sont corrects. Après, bon, c'est inhérent à la PS2, c'est toujours l'effet d'aliasing énorme. Mais bon, franchement, à l'époque, c'était quand même très très joli. Donc là, on va suivre les flics. Ah, de toute façon, on est flics, donc potentiellement, on va juste suivre nos coéquipiers. Ouais, alors des fois il peut y avoir des ralentissements, ne vous inquiétez pas, le jeu normalement tourne très très bien. Donc je sais pas où on va, mais apparemment on va aller chercher peut-être un fugitif. Ça sent la première mission un petit peu conduite, dans le sens on apprend un petit peu à gérer le véhicule. Ça, pareil, c'est un petit peu dommage avec deux vues. J'aurais aimé une vue un petit peu plus éloignée par exemple, ou une vue comme je disais, intérieure. Ça aurait été intéressant, avec les cockpits ont l'air d'être faits en 3 dimensions, enfin en 3D en tout cas en relief. Olé. Alors pour ceux qui posent la question côté émulation, c'est les jeux les plus difficiles à émuler concrètement. Parce que les modes DirectX et les modes OpenGL sont totalement foireux, enfin en termes de graphique il y a pas mal de bugs. Et quand vous passez en mode software, bah évidemment c'est le mode le plus lent. Donc il faut vraiment un PC monstrueux. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, c'est peut-être ça le fameux bug. Attends, je vais t'aider, t'inquiète mon gars. Panique pas. Ah, je sais que t'es nouveau dans la police. Ah, mais je peux pas le bouger. Ah ouais, bah alors du coup ça va être encore pire. Ah, je peux pas le déplacer. Ok. Ouais, donc c'est bien ce que je pensais, il y a un bug dans cette mission et du coup, voilà, les flics font n'importe quoi, ils se plantent. Et donc du coup, bah on peut pas continuer le jeu quoi. Et c'est très dommage, malheureusement. Je pourrais pas vous dire ce que je pense du jeu entièrement. Bon, de toute façon, il va falloir qu'on finisse le jeu, mais ça marche. Par contre, vous voyez, on a un chemin en rouge. Ah, c'est le chemin du... Ok, c'est le chemin du tramway. Attends, recule. Tu vas y arriver, mec. Tu vas y arriver, est-ce que tu vas pouvoir le faire? Allez, vas-y. Vas-y, t'es fort, tu peux le faire. On compte sur toi. Hein. Bon, évidemment, il est invincible, je peux pas le toucher. Il s'est déplacé, il a fait quelque chose. Est-ce qu'il va changer de côté à un moment ou pas? Est-ce qu'on va réussir à... Attends, je vais t'aider mec, vas-y reprends ta voiture. T'es où? Bah reprends-la. Reprends la caisse. Oh là là, mais quelle espèce de crétin. Bon, c'est pas grave, on va reprendre la voiture. Je suis censé aller où? Et le problème, c'est ça, c'est que je sais même pas où je suis censé aller. Ça te dirait pas de reprendre la voiture? Eh? Eh oh! Alors reprends-la, hein, parce que si tu reprends pas la voiture, moi je pense que je pourrais rien faire là. Alors, est-ce qu'il va réagir? C'est tellement ridicule, regardez-moi ça. Oh. Ah, moi je veux bien prendre la voiture, mais je sais pas où je dois aller. Je suis censé aller où? Ah,
Au moins viens, fais un truc quoi. Bon, c'est pas grave. Bon, de toute façon, je sais pas où je vais aller. Donc là, je me suis moi-même en fait, ce qui est totalement con. Je les ai perdus. Tellement crétin. Bon, c'est pas grave, écoutez, on va faire quitter la partie. On va faire un petit mode freeride. Bon, de toute façon, si vous avez le jeu original, vous aurez la suite. Je suis un petit peu déçu quand même, pas vous montrer la fin, enfin bon, la suite, mais bon. On va faire un conduite libre. On va voir un petit peu. Bah, du coup, on va tester Miami. On va le tester, alors, la nuit, tant qu'à faire, et on va mettre la pluie. Et véhicule. On va commencer avec un bateau. Voilà, comme ça, au moins, on a un peu vu d'autres choses. Bon, c'est très décevant, ce bug-là. Je pensais que j'avais presque réussi à contourner le bug, mais bon. Donc là, il pleut. Oula, avec un hors-board. Alors, je sais pas si je peux nager. Je sais qu'on pouvait pas, apparemment, dans les premiers. Et voilà, hein, dans le bateau. Je pense qu'on peut faire de spécial avec ça. Enfin, finalement, c'est pas très intéressant. J'ai plutôt envie de sortir de là et d'aller mettre sur le quai. Voilà, on va se mettre sur le quai. Si j'arrive pas trop me bloquer. On va sauter. Tu peux le faire? Ouais, ok. Ouais, tu peux. Regardez, oh le robot défensif. Oh là là, mais quel dommage. Je suis passé sous le bateau, sous la texture. Oh, c'est magique. J'adore ce jeu. Bon. Ouais, donc je pense que je vais pas voir pas grand chose. Concrètement, ce qui m'a plu beaucoup, c'est le un peu la physique, mine de rien, qui est quand même plutôt réussi. Bon, parfois un petit peu aléatoire, mais de manière générale, plutôt ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui m'a plu? Le fait de pouvoir jouer à Nice, dans une ville européenne, c'est quand même sympa. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui était sympa? Les graphismes, franchement, rien à dire. Rien à dire, je vous dis, comparé avec d'autres jeux de la même époque, il est plutôt joli. C'est plutôt même son point fort. Est-ce que je peux remonter sur le bateau, tiens? Pas l'impression. Et décidément, c'est un échec complet. On va faire recommencer. Voilà. Et limite, le bateau, je vais en sortir, comme ça, direct, je vais pouvoir remonter. Oh, c'est pas vrai, mais je suis un boulet. Est-ce que je peux remonter sur le quai? Ben là, je peux pas, hein. Typiquement, je suis bloqué. Si je réussis à remonter dans le bateau, c'est bon. Je ressors du bateau. Ouais, c'est bon, c'est passé. J'essaie de passer par là. Ouais, les phases à pied, gros poids noir, franchement, c'est vraiment pas agréable du tout. Alors, j'ai pas trouvé de touche pour autolock, ça se trouve, il y en a pas. Ce qui serait foncièrement dommage, parce que dans GTA, ils avaient pris parti au bout d'un moment de faire un autolock. Ce qui fait qu'on choisissait les cils, on tirait et ça validait automatiquement. Et c'était intéressant, parce qu'on. Enfin, c'était intéressant. C'était pas réaliste dans l'absolu, mais au moins c'était pratique, c'était fun. Là, c'est vraiment galère. Oh, regardez, on a un énorme camion. On va essayer de l'arrêter. Voilà. On va essayer de le prendre. Pour finir. Putain, comme j'ai fail. J'allais dire, on va essayer de finir sur une bonne note. Voilà, je suis désolé, je vais récupérer un camion. Ouh, il a failli se faire écraser. Il a rien eu, hein. Il a rien eu. Et donc du coup là on est à Miami. Est-ce que je peux changer? Est-ce qu'il y a des trucs que je peux faire? Attendez, hein, il se passe rien. Oh mais quel con! Regardez, je peux. Je peux me jeter de la voiture. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est intéressant. On va essayer de prendre ça là, tiens. Je peux me jeter. Ok. Donc là je peux klaxonner, ce que je voulais faire après. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Non, je peux faire grand chose de plus. Je pense que je peux péter les palissades. Ouais, ça marche toujours. Alors la ville de Miami qui m'a l'air assez grande. Ah quand même, ouais, pas mal. Plutôt grand. Plutôt grand, il y a pas mal de rues. Je sais pas si de quoi je vous dis d'être ville à débloquer, mais en tout cas même avec deux villes, ça reste suffisant pour s'amuser. Et puis les villes sont assez détaillées. Ils ont repris. Alors je pense que c'est des villes qui ont été miniaturisées, c'est-à-dire qu'en gros, ils ont pris des bâtiments connus qu'ils ont dû placer dans la ville. Ils ont réduit l'échelle en fait de la ville en gardant les points les plus communs, les grands axes. Et après, voilà, ils ont
disait ça avec, je pense, des vraies photos. Donc, il y avait beaucoup de choses, c'est vraiment des vrais bâtiments qui existent vraiment, enfin, en tout cas à l'époque, étaient toujours là. Bah écoutez, que dire de plus, pas grand chose, j'aurais aimé vous montrer un peu plus au niveau de l'histoire, mais bon. Je pense que le jeu avait beaucoup de potentiel, un peu ruiné par certains poids, mais ça peut être vraiment un jeu à essayer. En tout cas le 3 à essayer, les autres je sais pas s'ils sont mieux, on verra sur la chaîne un peu plus tard. Bon là ça manque un peu de vie, ouais, c'est un petit peu dommage. Il faut le prendre comme un driver, un jeu de conduite, de pilotage, et c'est tout. Arrêtez-vous à ça. Bon, des bugs graphiques. Arrêtez-vous à ça simplement. Si vous le comparez à GTA, c'est mort. GTA est quasiment meilleur sur au moins 60% des points. Hormis la conduite et le graphisme. Et puis voilà. Écoutez, on va s'arrêter là-dessus. On va se mettre un petit mode rediffusion. Voilà, histoire de finir sur un replay qui va sûrement laguer. Je vous dis à la prochaine pour votre vidéo. C'était Drive 3R. À tester. En condition console réellement, pas émulateur en tout cas pour le moment. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Ciao.